C'est quoi ça, les gars? C'est quoi? Je viens d'assister à quoi là? Je viens de balancer 700 000 crédits dans le vent. Yo les fumiers! Comment ça va, les gars? Vous allez bien ou quoi? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On s'est vraiment régalé là-bas en Allemagne pour le match France-Belgique et puis voilà, c'était incroyable. Le retour de notre partenaire, bref. Bah, en plus, j'ai packé du lourd, les gars. Vous allez voir, j'ai packé du lourd hier en revenant du coup. Vous allez encore m'insulter, les gars. Donc voilà. S'il y en a qui veulent aller voir le vlog, les gars, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien. C'est mon tout premier, j'ai eu des bons retours dessus. Donc merci à vous pour ceux qui ont checké, ceux qui ont regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez sur la vidéo. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux le vlog. Et puis, bon, moi personnellement, je me jette pas de fleurs ou quoi. Je trouve que le vlog est plutôt bien dans le sens où les images sont propres. Après, j'aurais pu faire mieux certaines choses, ça c'est sûr, parce que voilà, c'est le premier. Mais en termes de qualité d'image et tout, franchement, je trouve que c'est bien, etc. Donc ouais, ça a bossé, les gars. J'étais pas en live, mais j'ai bossé. Parce qu'en plus, j'ai tapé du lourd et je vais tout vous montrer. Donc, ouais, mais j'ai pas eu que l'otard. J'ai eu autre chose. Je te parle dans les récompenses du champion. Toi aussi. C'est tout simplement Mataos, les gars, je l'ai packé. Je vais vous montrer après le clip. Mataos, je l'ai packé dans un pack 80 joueurs x 5. 80 joueurs x 5. Incroyable. Un vieux pack éclaté, les amis. Voilà, on a tapé Mataos, une très grosse carte. C'est sur le compte principal, du coup. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, fut champion. Je le fais hier en rentrant, donc j'étais sur une nuit blanche. J'étais en 9-0. Après, je perds deux matchs. 9-2, 10-2, 11-2. Et à 11-2, j'ai dit, les gars, je donne les wins, j'arrête à 11. Voilà. Donc, je me dis, j'arrête à 11, nani, nana. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je tape Van Dijk et Leao dans les récompenses en rouge. Van Dijk et Leao dans les cartes rouges en faisant 11, les amis. Regardez-moi ça. Voilà. Ça veut dire, j'ai Van Dijk sur les deux comptes en rouge, déjà. J'ai Van Dijk sur les deux comptes en rouge. Et du coup, Leao, que tout le monde me bassine avec lui, comme quoi il est trop fort et tout. On va voir du coup s'il est fort. Je l'ai pas encore trop. Soit j'ai fait un match avec. Je l'ai ouvert en rapide en plus. Regardez, je l'ai ouvert en mode rapide. Tac. Non, c'est pas ça du coup. Ah, c'est là. 80 x 5. Boum. Boum. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Ouais, les gars, c'est parti. La prédiction est terminée. On va ouvrir les choix. Let's go. C'est parti, on en a 50. Et puis après. Ah, il y en a 4 dedans. Ok, je savais pas. J'ouvre dans l'ordre, les gars. Commencez pas à me donner des chiffres là, les fumiers. Oh, Rui Costa. Bon, c'est pas l'un des meilleurs. Ça compte pas dans la prédit. Hein. J'avais dit icon, les gars. Ça. Ok, bon, on aura une carte hero. Choisir le résultat. Une carte icon dans les choix. Du coup, c'est non. Hop. Ça va être ton amour. Comment tu vas? Je vais tout envoyer au club. Du coup, en doublon, j'ai ça. Bon, on espère. Allez, c'est parti, les gars. Choix icon. Vamos. Ah. Dommage, hein. Ah non, on est au mois d'avril, là, j'ai envie de vous dire. Allez, les gars, on ouvre le choix comme ça. Du coup, là, il y a Vers la gloire, équipe 1. Et l'autre truc, du coup, équipe 1 et 2. Allez, c'est parti, le premier. Ah, défaite. Dommage. Après, couteau avec le Brésil. Attends, mais ça évolue comment, ça, déjà? Ah non. Après, couteau, on m'a dit, il était pas dégueu à skip. Et du coup, sur ce compte, les gars, j'ai packé 2-3 trucs sympas. J'ai packé Fernando Torres. Qui a déjà up lui par contre. Je l'ai toujours pas testé non plus. Hein. Allez, sur le compte secondaire. Ouf. Mon dieu, le choix. J'allais vous poser une question, mais je sais ce que vous allez répondre. Mais je pense que c'est peut-être la promotion où ça vaut le plus le coup d'ouvrir un pack boutique, les gars. Parce que la prochaine promo, ça va être des Pass to Glory. Par rapport à la fin de l'euro. Donc je sais pas si ça sera vraiment très intéressant d'ouvrir les packs en boutique. Mais là avec toutes les icônes et tout qui a tapé, je me dis c'est peut-être là qu'il faudrait le faire. Allez les gars, c'est parti, du coup pack à 725 000 crédits. Je l'avais ouvert la semaine dernière sur mon compte. Là, enfin la semaine dernière, samedi. Samedi les gars. Et j'avais packé du coup Rijkaard dedans et full héros. Donc je pense que ça va être compliqué de faire pire. Et après, par rapport à mon équipe,
Juste, faudrait pas qu'il me redonne ma Taos. Après, vu que j'ai tapé du lourd là hier, je me dis à tout moment, ma chance, elle est passée. Hein. Mais là, ce qui me ferait le plus, un attaquant à un numéro 10. Il me faudrait un numéro 10, les gars. Il me faut un numéro 10, clairement. Un numéro 10, c'est ce qu'il me faut. Allez, sur du bon vieux Gradur époque 2015, là, c'est parti. Allez, let's go, les gars. Il me restera du coup 4 200 000. Un peu moins de 4 200 000. Let's go. Ramos le pack à 725 000. Allez, s'il vous plaît, Esport. J'ai qu'une icône dedans, ça veut dire ça va être dur. À mon avis, c'est défaite, les gars. À mon avis, c'est défaite. Mais non. C'est quoi ça? C'est quoi ça, les gars? Okay, c'est quoi? Je viens d'assister à quoi là? Je viens de balancer 700 000 crédits dans le vent. Je l'ai déjà. Je l'ai packé hier déjà dans un 80 x 5. Dis-moi qu'il y a un truc derrière. C'est trop. C'est pas possible, les gars. Dis-moi qu'il y a une autre. Il n'y a pas une autre. Et c'est quoi les. Attends, les icônes, il y a quoi là comme icône? Mais frère, t'es mal. J'ai un pack censé avoir, je sais pas, j'ai rien carrément tellement j'ai des doublons. Oh là 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 là. Putain. J'ai même pas de carte spéciale. Regarde le pack. Je suis censé avoir un truc avec plein de cartes spéciales. J'ai tellement de doublons, les gars, que j'ai. Ouais, du coup, j'en ai eu que deux au final. Hein. Et du coup, ma Taos doublon. Super. The next day. Yeah, comment vous allez, les gars? Ça va ou quoi? Tranquille? Comment ça va? Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée. Hein. J'espère que tout va bien pour vous. Au programme aujourd'hui, les amis, on a pas mal de trucs à faire. J'ai les récompenses d'Ivelite à ouvrir, donc on aura pas mal de packs à ouvrir. On aura aussi les 85x5, on aura aussi le pack, vous savez, avec une carte icône ou héros garantie de l'événement actuel. Je l'ai déjà ouvert sur mon compte secondaire et j'ai eu Tevez dedans. Donc sur le compte secondaire, c'est plutôt sympa, c'est pas l'un des meilleurs à avoir, mais bon, c'est quand même sympa, c'est jouable, c'est cool. Donc voilà, on a pas mal de trucs à ouvrir, donc voilà, je pense qu'on va streamer deux bonnes heures jusqu'à 19h en regardant le contenu, et puis après voilà, hein, les gars. Temps de commencer, du coup j'ai commencé ce matin. Je pense que toutes les récompenses, je vais peut-être les garder pour le nouvel événement, je sais pas ce que vous en pensez, ça pourrait être cool. Je vais finir ça tranquillement, je pense, ce soir et demain, mais pour l'instant j'ai rien récupéré, ça pourra nous faire un pack opening entre guillemets pour le nouvel événement. Donc peut-être que je vais faire ça, je vais voir. Je peux pas vous dire oui ou non, c'est... pas possible de que je peux pas savoir en avance quoi. Bon, les premiers packs du coup à l'heure. Allez, pack à 50. Bon, pour l'instant il y a rien qui tombe. Ce matin en faisant les renforts art et tout, j'ai packé deux icônes mais pas dingue. J'ai packé Xabi Alonso. Enfin, par rapport à mon équipe hein. J'ai eu Xabi Alonso et j'ai eu Ashley Cole. Allez, pack à 100 000, c'est parti. Ouh, ça sera une carte héros. Portugais, MOC. Ok. Bon, au moins on aura une carte spéciale, tu vois, dans les récompenses d'Ivelite. Mais bon, ce sera Rui Costa, je crois. Je l'ai déjà, je crois. Hein. Des doublons, mais bon, on tente quand même notre chance. De toute façon, voilà, au pire, ça fera des doublons. Hein. Anglais, DD. Tavernier, du coup. Tavernier 92. Ouais, j'ai vu Ederson, ouais. Tu gardes pas tes packs, frérot, pour l'instant? Non, je garde pas mes packs, non. Non. Ce sera coffé avec 93 plus. Ok, pas de doublon, ça c'est nickel. Hop. Alors, que va-t-on ouvrir maintenant? Je pense qu'on va ouvrir les 83. Est-ce que les gars, là-dedans, on peut packer les cartes icônes ou pas? Là-dedans, on peut packer les cartes icônes ou pas? Je sais même pas, en fait. On peut, non? Dans les 83 x 5 euros et tout, ça tombe. Ça, on peut packer dedans. On est d'accord? Oui, ok. Ah, ok, parce que moi, je savais pas. Parce que vu que j'ai quasiment pas trop joué depuis que c'est sorti vendredi, vu qu'on était en Allemagne et tout, je savais même pas si dedans on pouvait avoir ça, ok. 3x5, pas de carte spéciale, brésilien, MDC. Ce sera Casemiro du coup. 89 aussi? Non, il a plus 89. Il a 89. Bah du coup, ok, parfait, échange. Pas de carte spéciale encore, argentin, VU, Lautaro. Est-ce qu'il y a une double anime? Oui, double anime, ça c'est pas mal. Donne-moi un petit 89 avec. Ah, c'est ça, hein. Petit apéro avec Espagne-Allemagne et c'est Handler, ça, non? Ouais, 88, ok, bon, je vais quand même la mettre dans un échange. Allez. Ah, icône, allez.
Ok, j'ai cru que c'était Matthaus. S'il vous plaît, donnez-moi une dinguerie. Moi, je pense que ça va être Xabi Alonso ou Xavi. Je connais trop le jeu par cœur, c'est terrible. Je connais trop ce jeu par cœur. Je connais trop ce jeu par cœur. Et je l'ai déjà en plus. Je l'ai déjà en plus. Comment ça va la baloche gauche de Ravu? Ça va ou quoi mon frérot? Tranquille. Ouh, un petit Sanchez qui tombe. Bon, c'est pas le meilleur. Ok, petite carte sympa Sanchez. Au pire en super sub. Il a l'enroulé. Bon, il a pas 4 playstyle malheureusement. Ils font quoi le Mexique les gars en la Copa là? Ils sont éliminés? Ah ok. Bah, je vous dis les gars, je suis pas du tout la Copa, hein, je vous avoue. Ok, bon bah ça sera un fodder alors. Hein. Here we go. Let's go. Ok, Icon. Allemand. MDC, ça va être Oberdorf ou Kimmich. Ok, maintenant mets-moi pas Xavi Alonso ni Xavi, s'il te plaît. Mets-moi R10, s'il te plaît. Vas-y, mets-moi R10 avec ses beaux cheveux. Oh, Del Piero. En vrai, il a des bons playstyles, Del Piero. Hein. R1 enroulé. Il a combien en geste technique? Ah, il a double 5. Putain, en vrai, il a pas une carte dégueulasse, lui. Hein. Il doit pas être... Je pense qu'il doit pas être dégueu, lui. Hein. Il doit vraiment pas être dégueu, lui. Enroulé, R1. Chiquitaka en blanc, ok. Il tire les coups francs aussi, les coups de pied arrêtés. Tire puissant, ok, ok, ok. Encore un gros truc. Ramos. Ok, français. Ah, putain, de Saï. Ah! Bon, on prend, hein. C'est pas dingue. Il est fort ou pas, les gars? En vrai, ça va, j'aurais pu avoir pire, hein. Après, c'est un français, donc bon. Fort, Simons. En vrai, quand j'ai fait 20-0, il m'a bien carré, hein, le Simons. Mais celui qui m'a le plus carré sur le 20-0, c'est Colomwani. Colomwani, là, pff. Mon dieu, qu'est-ce qu'il était fort. Je sais pas, il me manque 6KXP. Ah, je pense que ça devrait le faire pour 6KXP, ouais. Si, surtout si je fais fut champion ce week-end, ça donne de l'XP. Donc là, je viens de packer Matthaus 3 fois en 2 jours. Je viens de packer Matthaus 3 fois en 2 jours. Et c'est pas possible les gars. eSport, faites quelque chose. C'est, là c'est cramé qui a un script dans votre jeu. Vous donnez exprès des doublons aux gens. C'est pas possible. C'est pas possible les gars. Je peux pas croire ça. Avec toutes les icônes qu'il y a dans le jeu à packer, comment je peux packer 3 fois Matthaus, dont une fois dans un pack boutique? C'est un truc de fou les gars. Franchement c'est un truc de fou. Je vais serrer. Bah, je sais pas. Donnez-moi un Zico. Donnez-moi un Maldini. Donnez-moi un Zizou. Mais donne pas 3 fois Matthaus frère. C'est trop... Ah, c'est un truc de fou. J'en fais quoi? J'ai déjà un Matthaus que j'ai vente rapide. Je vais devoir en mettre un autre vente rapide, c'est ça? Oh putain, j'ai envie de craquer, les gars. Pourquoi il y a deux Matthaus? Ah bah, parce que je l'ai packé 3 fois, mon frérot. Tout simplement pour la simple et bonne raison que j'ai eu 3 fois la même carte hein, en deux jours. Il vaut combien d'ailleurs, Matthaus? 1,3 million quand même. Hein. C'est quand même un truc de fou. Hein. Non, je l'ai eu dans un... Alors lui, je l'ai eu dans le pack boutique d'hier. Lui, je l'ai eu dans un 77x5, les renforts art. Et le premier dans un 80x5. Donc voilà, merci à vous les fumiers, et puis bonne soirée, merci pour la force, hein. Merci pour tout les gars, vous êtes au top, hein. Merci pour tout les gars, merci, ciao ciao.